On est en plein cœur des fêtes maritimes ici à Brest et on se dirige vers le stand Tout commence en Finistère, animé par le conseil départemental du Finistère. Nautisme, tourisme, olympisme, tout commence en Finistère, un grand lieu de convivialité en plein cœur de cet événement. Cette année, ce sont 6 Finistériens et Finistériennes qui vont avoir l'honneur de partir au JO. Justement, je crois que sur le stand, il y en a quelques-uns ou quelques-unes. On y va. On est pas mal à Marie sur les quais de Brest quand même. Mais bon, je pense que toi, tu te sens mieux en mer quand même que sur les quais comme ça, non ? Oui, c'est sûr qu'on passe tellement de jours sur l'eau, plus de 200 jours sur l'eau, que ouais, je suis comme un poisson dans l'eau, quoi. On peut l'annoncer parce que c'est officiel depuis un petit moment, tu vas à Rio. Oui, depuis février 2016, c'était notre sélection pour avoir le ticket pour Rio. C'était au championnat du monde à Clearwater en Floride. Donc voilà, on a eu le titre mondial en 2016 et ça nous a offert notre ticket pour Rio. Donc ça y est, on y est presque. Ta spécialité, c'est le catamaran ? C'est ça, donc c'est le catamaran en mixte, obligatoire, donc un gars, une fille, ça s'appelle le Nacra 17. Je navigue avec Billy Besson, un Tahitien d'origine, donc une Bretonne, un Tahitien. Tout a commencé bien sûr en Finistère pour toi. Ça a commencé du côté de Landerneau d'abord. Oui, moi en effet, je suis née à Landerneau. Après, je suis originaire de Plougastel d'Aoulas. Et moi, j'ai commencé à naviguer en rade de Brest. Je suis licenciée depuis toute petite à l'USAM Brest. Et j'ai tiré mes premiers bords en optimiste dans la rade. Et voilà, dès que j'ai l'occasion de naviguer en rade de Brest, j'adore ça. C'est vraiment un plan d'eau magnifique et on prend beaucoup de plaisir à naviguer. On se sent comment à quelques jours comme ça de partir à Rio ? C'est sûr que maintenant on est à moins de 30 jours de l'épreuve. On a hâte d'y être parce que voilà, on a bossé, ça fait 4 ans qu'on bosse pour ça. Et on est aussi concentré. On a encore une petite semaine d'entraînement en baie de Quiberon. Eh ben tu sais, tous les gens qui te regardent là croisent les doigts pour toi. Surtout qu'il y a de bonnes chances quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'on fait partie des favoris au vu des résultats qu'on a eus ces dernières années. Voilà, maintenant c'est une régate, on va repartir à zéro, donc on va se concentrer pour se surpasser, pour tout donner et ramener une médaille d'or. Virginie, toi les JO, tu connais, tu y étais déjà, tu étais à Londres en 2012, ça s'est passé comment Londres 2012 ? T'en gardes des bons souvenirs ? Oui, non, sur le plan médiatique, parce que le cycliste sur piste est peu médiatisé en France, donc beaucoup de médias, il y avait 5000 spectateurs tous les jours pour nous voir courir, donc c'était bien. Après, sous le plan sportif, c'est moyen, parce qu'on fait 6e par équipe, et moi après en indiv, je fais 12e, donc... Ça m'est un peu resté à travers, donc maintenant... Tout peut se rattraper cette année. Ouais, bah c'est ce que je fais, j'essaye d'être au top pour les jours J, parce que je cours du 12 au 16 août, donc voilà, j'espère être prête. Bon, une locale aussi, hein, puisque toi aussi, tu as commencé dans le Finistère et tu continues dans le Finistère. Tu es tombée comment, toi, dans le monde du vélo ? En fait, je suis guenousienne, donc je suis à côté, quoi. Donc, mon frère, il faisait du vélo, donc j'ai avec mon club Big 2000, donc je me suis dit, pourquoi pas essayer Pourquoi pas essayer ? Et puis ça m'a plu, donc j'avais 6 ans et j'ai fait du école de vélo, donc jeu d'adresse, tout ça, on apprend le vélo, on apprend les règles et tout à respecter. Et après, je faisais un peu de la compétition, mais c'est surtout à l'âge de 14 ans où j'ai commencé à faire la piste au vélodrome de Pouzané. Et ça m'a de suite plu parce que moi ce que j'aimais c'était le sprint, quoi. Voilà. C'est pas oppressant, tous ces préparatifs, toute cette logistique à mettre en place pour partir à Rio ? Ça monte en pression, voilà. Après je sais à quoi, je sais à quoi m'attendre là-bas, donc je sais comment ça va se passer et se préparer. Donc après, je suis tranquille, je suis concentrée, voilà. Pour moi, j'apporte ça comme une compétition, comme un championnat du monde tous les ans, voilà. Bon, ça y est, on y est.
direction Rio, enfin. Ouais, voilà, ça a une bonne chose de fait. Voilà, la sélection est acquise, c'est clair. Maintenant, c'est pas fini, l'aventure fait que commencer. On a de belles courses à produire à Rio, mais effectivement, c'est fait, ouais, pour la sélection. Bon, pour que tout le monde comprenne, le K4, c'est du kayak à 4 personnes. Exactement, voilà, on est 4 filles. Donc moi, je suis en numéro 3 dans le bateau cette saison. Je serai 3e là à Rio. Je cours avec Amandine Lott de Nancy, Manon Ostens de Périgueux et puis Sarah Troel, l'autre bretonne de Saint-Grégoire. En courant les deux derniers jours des Jeux, on verra la cérémonie de clôture, mais on ne sera pas au Brésil pour l'ouverture, non. Mais ça peut être une cérémonie de clôture avec une médaille autour du cou. Ça, effectivement, ce serait le meilleur des scénarios, c'est clair. Ce serait vraiment l'objectif et ce serait clôturer en beauté ma première participation aux Jeux Olympiques, en tout cas, ouais. Il y a des amis, de la famille, des Finistériens qui partent avec toi là-bas ? Ah oui, qui partent avec moi, oui, bah, je pars avec... En tout cas, ma famille sera là, donc mes parents, mon frère et ma sœur. Donc ça, c'est super important pour moi de vivre ça avec eux, voilà, ce sera super. Et puis même ici, j'ai vu des... Voilà, je viens de parler avec ma toute première entraîneur, voilà, wow. Qui est brestoise et qui m'a mis pour la première fois les fesses dans un bateau de course en ligne. Donc c'était hyper rigolo de se retrouver là devant le kakémono, voilà, pointant ma sélection, parce que c'est vraiment elle qui a été un peu à l'origine de tout ça. Donc on fait des très belles rencontres sur le port de Brest aujourd'hui. Toi, ton aventure sur l'eau, tes premières fesses sur l'eau, ça a démarré comment ? Eh bien justement, ça a démarré après une colonie de vacances où je me suis intéressée au kayak et puis j'ai fini par m'inscrire à le club sportif le plus proche de la maison à Plévin. Et c'est justement cette personne-là, Delphine, qui m'a mis pour la première fois, qui m'a dit « Bon, ça suffit les jeux avec les balles et les ronds dans l'eau, dans les bateaux plastiques, là, maintenant tu vas essayer un vrai bateau qui va vite. » Donc j'ai fait que tomber au début, elle me dit « C'est pas grave, on réessaye, on remonte. » Et puis finalement, voilà, c'est comme ça que ça a lancé l'aventure Léa Jamelot en course en ligne. Les Finistériens à Rio, c'est aussi Camille Lecointre, Catel Alençon et Bruno Jourdrin. Bonne chance à vous. Moi, je suis en voile. Ouais. Dis-moi François, c'est un grand moment là, ce qui va se passer dans quelques instants. La signature d'une convention avec le département, c'est quoi exactement cette convention? Ça va servir à quoi? À aider qui? Alors la convention qu'on va signer avec le département, c'est une convention qui nous donne un peu d'argent pour aider au fonctionnement du pôle France Voile de Brest et également au pôle Espoir qui sont dans le même bâtiment à la Donante. Qui profite de ces aides? D'une part les coureurs, puisqu'ils ont un entraîneur supplémentaire qu'on arrive à payer grâce à ces aides. Et d'autre part les entraîneurs pour le matériel qu'on peut leur fournir grâce à cette aide. La convention profite donc aux 30 coureurs du pôle Espoir et aux 20 coureurs du pôle France. Du coup, François, les JO, c'est dans quelques jours. Vous prenez le temps de regarder les JO? Alors oui, on a mis en place, donc, pour soutenir nos coureurs qui vont aux Jeux Olympiques à Rio, un écran géant au Pôle France. On a donc trouvé un financement avec des partenaires privés et publics. Et cet écran sera en place donc, à partir du 13 août. Le 14 août, nous allons regarder Pierre Lecoq à partir de 17h30 au Pôle France. Le 16 août, on va regarder Marie Rioux pour la finale des NACRA 17 à partir de 17h30 également. Et le lendemain, ça sera Camille, en 470, qu'on va regarder aussi. Comme ils sont tous les trois champions du monde sortants, on espère quand même qu'ils seront sur les podiums. Je suis convaincu, tous les trois finiront sur le podium. Eh bien, en tout cas, on continue et on va pas cesser de croiser les doigts jusqu'au bout. Il y a un pôle à Brest, un pôle à La Rochelle et un pôle à Marseille. Et tous les athlètes de l'équipe de France, qui sont 25 en tout, mais 15 qui vont au jeu, sont rattachés à ces trois pôles. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Et c'est vrai que pour le département, cette convention, elle est essentielle parce que le pôle, c'est un pôle, évidemment, un pôle d'excellence nationale, mais même aussi internationale. Moi, j'invite les athlètes qui sont là à suivre l'exemple de Faustine Méret, qui a commencé effectivement au croco, hein, si je ne dis pas de bêtises, et puis qui s'est retrouvée médaillée olympique à Athènes. Jean-Marc, ça y est, elle est là et signer cette convention de partenariat, c'est important de signer des conventions comme ça pour continuer à développer le sport finistérien.
Oui, c'est important. Alors, il y a une dimension symbolique. On a voulu effectivement qu'il y ait une portée symbolique à cet événement. Mais c'est important effectivement parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne veux pas faire le film, c'est une journée de fête, mais les collectivités sont dans une situation compliquée. Donc, et pouvoir conventionner, c'est s'engager. Et donc, ça veut dire que le département du Finistère, à travers la marque Tout commence en Finistère, effectivement, maintient son accompagnement aussi bien au nautisme d'excellence comme au nautisme pour tous. Le Finistère, c'est 1200 km de côte. Le nautisme, c'est la première activité sportive qui est pratiquée par les Finistériens. Et on a des illustres exemples. Je parlais tout à l'heure de Faustine Méré, qui a commencé dans son club et qui s'est retrouvée médaillée olympique à Athènes. Et c'est pour ça que le département soutient aussi ce dispositif, parce que ça part des clubs. Et pour nous, c'est essentiel. On ne parle pas de sport professionnel. J'ai rien contre le sport professionnel, mais on parle de ce qui part des clubs, à travers les bénévoles qui s'activent tout le week-end sur l'ensemble du département. Tu planches sur combien de médailles finistériennes, toi? T'as déjà ta petite idée en tête? Oh, c'est compliqué. Je suis un très mauvais pronostic. Donc on va dire 6 évidemment, puis 6 médailles d'or. Quitte à être un mauvais pronostiqueur, autant aller jusqu'au bout de la plaisanterie. Mais en tout cas, très sincèrement, déjà être qualifié pour les Jeux Olympiques, quelle aventure extraordinaire pour nos jeunes. Et puis quand même avec une majorité de filles. Et ça aussi pour nous, c'est quelque chose d'important. Mais c'est Faustine. Salut Faustine. Bonjour. Ça va bien? Ouais, très bien. Moi qui pensais que tu n'étais pas dans le coin. Eh ben, je reviens tout juste de Finlande. J'ai accompagné les jeunes aux championnats d'Europe de planche. Ah, bien ça. Je voulais te voir. Enfin, je profite que tu sois là. Tu sais qu'il y en a 6 qui partent bientôt là à Rio. T'as un petit mot pour eux? Ou un gros, grand, bon grand mot pour les encourager? Ouais, bah, j'ai eu l'occasion d'en croiser 3 aujourd'hui d'ailleurs. Et puis oui, on a nos voileux, mais également un petit peu dans le cyclisme et le kayak, je crois bien. Je suis les parcours, les sélections. Et puis ben voilà, je leur souhaite une bonne préparation finale, parce qu'on sait qu'à moins d'un mois des Jeux, ben, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc c'est maintenant que ça se joue. Donc préparez-vous bien, concentrez-vous. Et puis ben, nous, ça va être un plaisir de suivre ça de là-bas. Et puis petit message aux voileux, ben, il n'y a pas eu de médaille d'or depuis 2004 en voile. Donc il est temps de passer le relais. Médaille, 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 on compte sur vous. Excusez-moi de vous déranger, vous aimez le sport? Ça dépend duquel? Si je vous parle canoë, kayak, tous les sports nautiques. Ouais. Vous allez suivre un petit peu les Jeux Olympiques ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Si là j'avais la possibilité aujourd'hui de vous présenter une athlète qui va au JO, ça vous intéresse ou pas? Oui. Regardez, elle est là. Ah, enchanté. Qui part dans quelques jours à Rio, ouais. elle fait du kayak, du K4 ça s'appelle, c'est du kayak à 4. 4 barreurs, non barreurs. On n'a pas la journée du kayak, mais on va y aller des deux côtés. Confond et l'aïeul, j'ai fait de l'aïeul, ouais. De mer, d'accord, okay. de 4 barrés justement. D'accord, ok. Si vous aviez un mot à lui dire. Bon vent. Merci. Voilà. Merci. Excusez-moi de vous déranger, vous aimez le sport? Pas du tout. Tant pis. Vous suivez un petit peu le sport ou pas? Le rugby, oui. Le rugby. Si j'ai aujourd'hui, c'est pas du rugby, mais si aujourd'hui, à l'instant T, j'ai la possibilité de vous présenter une athlète qui va au JO. Bah ouais. Ouais. Mais si vous deviez lui donner plein de mots, plein de belles phrases d'encouragement, ça serait quoi? Ça marche aussi, la traduction. Alors là... Ce sont nos athlètes finistériens, hein, qui partent au JO. Hein. Oui, mais... Monsieur bon courage. Je prends, pas de problème. On suivra à la télé. Maintenant qu'on se connaît... Eh ben, fais-toi plaisir. Ouais. Fais-toi plaisir au maximum, et le reste, quel que soit le résultat, fais-toi plaisir. Va au fond de ce que tu aimes et fais-toi plaisir. C'est ça que je dirais, moi. Bon courage. Et faites de votre mieux. Est-ce que tu as entendu parler des Jeux Olympiques? Bon, à l'école, ouais. Ouais. Et est-ce que tu veux que je te présente quelqu'un qui va aux Jeux Olympiques? Bah ouais. Ouais. Regarde, elle est là. Elle s'appelle Léa. Si tu devais l'encourager, lui dire des mots gentils pour qu'elle arrive à avoir cette médaille d'or, tu lui dirais quoi? Bon. Tu peux la regarder, hein. Regarde, elle est là. Bah par exemple, bon voyage. Ouais, merci. Il faut lui dire aussi, ramène-nous la médaille d'or. Ramène-nous la médaille d'or si tu peux. Hein. Je vais y penser. Toi, tu fais du sport? Je fais du ping-pong. Waouh. Wow. Ben, il y a une Bretonne aussi qui va aux Jeux Olympiques en tennis de table. Ouais. Elle est venue au championnat
championnat de France à Brest, justement, voir un petit peu tout ça. Il y a aussi ma professeure de ping-pong et elle a été au championnat du monde et elle a fini première en double et en première en double en mix. Ok, donc toi tu feras de la compétition alors, ça te fait rêver. Ouais. Elle a fait le championnat de Bretagne cette année déjà. Ah, génial. Forgetting that the constitution is strong instead of respecting me long, long reign. Tout commence en Finistère. Mais dis-moi, c'est une vraie marque? C'est une vraie marque de territoire qui rassemble les Finistériens après une initiative du département en 2011 et qui a grandi jusqu'à aujourd'hui compter un réseau de 900 ambassadeurs avec une mise en œuvre par le département mais aussi tous ses organismes associés, donc Finistère Tourisme, Nautisme en Finistère, Chemin du Patrimoine. Qui sont ces ambassadeurs et quels sont leurs rôles? Alors les ambassadeurs s'inscrivent spontanément sur le site internet. Ils peuvent être aussi bien des particuliers, des sportifs qui partent au JO. Là, ouais. Ils nous ont dit qu'ils allaient devenir ambassadeurs. Des clubs sportifs, des associations, des entreprises pour les aider à promouvoir leur activité. Également beaucoup de comités de jumelage, ce qui nous permet de véhiculer l'image du Finistère à l'étranger. Il a fallu travailler dur pour trouver cette marque, pour créer, j'allais dire ce logo, mais ce n'est pas un logo. Alors c'est pas un logo, effectivement, c'est un visuel. Ça a été fait justement avec un investissement du département en 2011 et confié à une agence de spécialistes qui ont créé à la fois cette signature qui a du sens, tout commence en Finistère. On comprend bien l'idée évidemment qu'avec notre territoire et sa position singulière, premier département maritime de France, on a souhaité faire valoir nos qualités avec des piliers d'image, la mer à 360 degrés, la créativité, l'intelligence collective, l'intensité. Mais il est somptueux ce livre et un titre royal, Finistère, le début de la mer. C'est vraiment le début de la mer, le Finistère? En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment ce qu'on a voulu dire. C'est-à-dire que, on est parti, l'idée, c'est le nom Finistère, c'est une idée de Jacobin. C'est une idée de centralisatrice, voilà, c'est la fin de la Terre, le bout du monde et tout, etc. Et moi je pense que nous on est au début de quelque chose. Tu as visité tout le Finistère pour faire ce livre? Ah, totalement, et on a tout visité par la mer. Et mes textes sont, je dirais, le fruit de 20 années de navigation autour des côtes du département. C'est combien de coins connus ou moins connus du Finistère qui sont dans cette Bible quelque part? C'est une cinquantaine de sites, alors avec des ports, mais avec aussi des phares, avec les îles bien évidemment, et puis quelques lieux emblématiques du type la pointe de Pénir par exemple avec l'état de poids ou la pointe du Rat, qui sont des endroits qu'on ne peut pas manquer quand même. Il y a un regard qu'on a essayé d'avoir, qui était essayer d'être à la fois didactique d'une certaine manière, donner à apprendre des choses, mais en évitant d'être trop universitaire et trop scolaire. C'est des paysages, des oiseaux aussi. C'est quoi encore ce livre? C'est des gens aussi. Souvent. Très important ça. Chaque port, chaque bâtiment est souvent lié à une histoire et l'histoire de personnes, ceux qui l'ont construit, ceux qui y vivent. Voilà, on a essayé de retranscrire ça aussi. Si tu devais sélectionner un texte et une photo de votre ouvrage, ça serait lesquels? J'adore la photo des ligneurs du Ratzin parce que c'est quelque chose qui m'a fasciné de voir ces gars aller pêcher tout seuls dans les courants du Rat. Je parlerai peut-être du texte qu'on a fait sur le phare du Four. En fait, c'est un phare qui a une sale réputation. Ça a été un des premiers phares à être automatisé. Et pour une raison simple, c'est que c'est aussi le dernier phare dans lequel il y a eu accident avec mort d'homme. C'était en 1978. C'était la vedette des phares et balises, la Wessantine, qui s'est présentée pour faire la relève des gardiens. Et il y a eu, comme il y a souvent au phare du Four, une lame de fond qui est arrivée, qui a retourné la vedette. Et un homme d'équipage et le gardien montant se sont noyés à ce moment-là. C'était aussi une manière de rendre hommage à tous ces gens qui font ce métier, qui font les relèves des phares. Et puis ceux qui veillaient autrefois, qui étaient les gardiens. Maintenant, on n'a plus de gardiens, je trouve ça un peu triste, mais bon, c'est paraît-il le progrès. On en a quand même, Christophe, des sportifs dans le Finistère, sportifs de tous horizons, des windsurfers aussi.
C'est ta passion, toi. Et pas qu'une passion, d'ailleurs. C'est une passion, un métier depuis des années. Donc, c'est vrai que ça fait 32 ans que je fais de la planche à voile, que j'ai entraîné un certain nombre de sportifs, dont le jeune homme à côté, là. Bon, qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre dans le coin encore ? Alors, ce sera fin octobre. Hein, Pardon, excuse-moi. Oui. Ce sera du 22 au 30 octobre. On accueille pour la deuxième fois, finalement, en deux ans, la Coupe du Monde de windsurf PWA, avec l'ensemble des stars internationales qui seront présentes pour en découdre. Et la grosse nouveauté, c'est que cette édition-là, au mois d'octobre, vous avez la dernière épreuve de slalom, donc c'est l'épreuve qui va décerner le titre mondial. C'est important pour toi de réussir à organiser un tel événement chez nous, dans le Finistère ? C'est important pour deux raisons. On est à la maison, le territoire le mérite, on est vraiment un territoire de glisse, donc je crois que le Finistère, il n'y a pas plus bel endroit pour pratiquer les sports de glisse au monde, pratiquement, pour avoir voyagé beaucoup à l'époque où j'étais athlète, c'est vrai qu'il y a des endroits incroyables ici. La deuxième chose, c'est qu'à la Torche, on a une proximité avec le public qui n'existe nulle part ailleurs. Les riders, quand ils sont sur l'eau, quand ils sautent, ils entendent le public les acclamer. On est comme dans un chaudron, comme dans un stade, quoi. C'est des figures qu'ils ont à faire, ça se passe comment en fait ? Alors il y a deux disciplines, il y a la discipline des vagues et c'est jugé un peu comme le patinage artistique où vous avez des sauts à juger, donc c'est les sauts les plus hauts, les plus spectaculaires et des surfs, donc où là il faut travailler la vague avec des mouvements bien spécifiques. Puis après on a l'autre discipline qui est le slalom où là c'est plus de la course entre bouées sur parcours. Et c'est vrai que là aussi, ils atteignent des vitesses incroyables. Je crois qu'on est l'un des sports les plus spectaculaires en termes d'image réelle. Et il n'y a qu'à la Torche qu'on peut voir ça. Bon Clément, sur windsurf, toi, depuis combien de temps ? Depuis... Généralement, ça commence tôt. Hein. Ouais, moi, j'ai commencé un peu plus tard. J'ai commencé à 15-16 ans. D'accord. Et piqué, quoi. Sport de malade, la glisse et voilà, toujours à fond dedans et aujourd'hui je suis là et super content de faire la compétition à la Torche avec tous les plus grands noms du windsurf et voir toutes les légendes qui reviennent et qui sont comme Patrice Balbéoc, qui sont vraiment dans le truc et qui veulent revoir de telles épreuves en Finistère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de rider avec des windsurfers que tu idolâtrais quelque part il y a quelque temps ? C'est ça ? Bah ouais, c'est sûr, tu les vois dans les magazines, t'es tout petit. Et là, tu les vois sur l'eau, t'es en manche avec eux, c'est incroyable. On va parler du pôle Finistère course au large. Michel, c'est quoi ce pôle Finistère ? Ça sert à quoi ? Alors le pôle Finistère course au large, qui est le seul pôle France de course au large de France, et qui est donc implanté en Bretagne historiquement depuis bientôt 30 ans, a été créé dans le Finistère à l'initiative des coureurs, donc quelques noms connus, Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam et quelques autres, pour, alors qu'ils avaient donc une carrière de coureur en solitaire, ils ont imaginé qu'ils seraient meilleurs s'ils s'entraînaient ensemble et s'ils avaient quelqu'un pour les aider à s'entraîner de meilleure façon. Donc ce projet a été porté au niveau du mouvement sportif voile départemental et a intéressé et le département du Finistère et à l'époque la direction départementale jeunesse et sport qui ont chacun donc mis à disposition un technicien, donc Christian Lepape et Loïc Ponceau, pour encadrer ce démarrage de pôle Finistère course au large. Ce pôle attire les meilleurs coureurs de France et même quelquefois de l'étranger et rayonne par ses résultats sur l'ensemble du territoire français, mais bien au-delà, puisque le pôle France est reconnu comme étant une référence au niveau international. Et aujourd'hui, avec les moyens qui existent au pôle France de Port-la-Forêt, on a l'ambition d'aller chercher le Graal qui est la Coupe de l'Amérique un jour. Bon, je remarque que tu n'es pas venu seul, hein, tu es venu avec Gilda. C'est qui Gilda ? Gilda, c'est un des coureurs au large. Gilda a une superbe carrière en course au large. Avoir tout l'outil nécessaire ici chez nous, c'est idéal, non ? Ah ben, c'est clairement un cas unique au monde, hein, d'avoir autant de bons marins, de bons navigateurs aussi compétitifs réunis dans un même lieu
qui s'entraînent quotidiennement ensemble. C'est assez rare pour le soutenir, effectivement. Et puis, il y a des conditions de navigation parfaites. Il y a vraiment tout un environnement qui est extrêmement bien monté pour qu'on puisse s'entraîner et naviguer au plus haut niveau, quoi. Plus jeune, quand je faisais du dériveur, s'il n'y avait pas tout l'investissement que les institutions publiques ont mis dans la voile dans ce département, j'aurais jamais pu vivre de ma passion aujourd'hui, c'est très clair. Moi, je viens d'un milieu populaire et à ce titre, j'ai bénéficié de tout cet investissement du département dans toutes les activités nautiques depuis que je suis gamin. Ouais. De grands sportifs naissent en Finistère, des récompenses tombent et vont encore tomber, certainement, on l'espère. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Tout commence en Finistère, la mer à 360 degrés. On vous dit à bientôt.